Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tyranny, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière FM16 avec l'Icerum. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va super bien. Alors aujourd'hui un épisode plutôt important. Alors pourquoi on se retrouve face à Cagliari? Bah parce que, au classement, oui, classement, mais surtout, surtout, il reste plus beaucoup de journées et c'est le match du titre à Cagliari. Et oui, selon notre résultat à Cagliari, on peut décrocher notre titre de champion d'Italie tout de suite pour je sais plus la combienième de fois déjà. Bah ça serait donc là, on est en ouais, de 20, bah ça serait la quatrième fois d'affilée. On deviendrait le nouveau Juventus. Bon, quand même cette saison il me semble qu'ils sont un tout petit peu plus proches, même avec deux matchs d'avance sur nous, ils sont un petit peu plus près que d'habitude. Ça a été chaud cette saison quand même, hein. Bon, sinon pour ce match face à Cagliari, l'équipe, vous la connaissez, bien évidemment on a le retour de Florenzi, ça c'est une bonne nouvelle. Sinon elle ne change pas beaucoup. Même pas du tout, voilà, tout est bien, tout le monde est revenu, ok, c'est parfait, bah on y va nous. Voilà, allez, face à Cagliari, je vous montre Cagliari parce que vous savez le programme du jour, c'est justement la Ligue des Champions, mais je vous garde la surprise sur l'adversaire. Non, vous l'avez vu sûrement, j'ai même pas fait gaffe sur l'adversaire. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est regarder tout de suite, comme ça au moins, je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà, bah c'est la Juve, voilà. Ça sera donc une demi-finale 100% italienne. Alors là, ça va être une lutte sans merci, sans pitié. Voilà, il n'y aura pas de pitié. Ça va être deux gros matchs assez importants. C'est le programme du jour. Le match du titre face à Cagliari, la Juve, aller et retour. Allez, on retourne au match, nous. On a fini le blabla. Et bah, let's go, c'est parti. Allons chercher ce quatrième scudetto défilé, nom d'une pipe. Oh, voilà. Ah, il faut aller chercher ce titre. Attention, peut-être qu'on le gagne 4 fois d'affilée. Ok, mais... ça a été un petit peu plus chaud quand même cette année. Il faudra faire gaffe l'année prochaine parce que tout le monde est en train de revenir, de bien recruter et tout ça. Donc il faut faire gaffe. Vietto peut-être. Vietto, non. Rien du tout, rien du tout. Rien. Allez, Rafinha. Allez, allez, non, pas en touche. Bah, bon, c'est pas pour maintenant. Allez, dégagement de Jefferson. Les... faut faire attention, les joueurs de Cagliari essayent de se dégager, c'est pas fait. Oula, oula, c'est quoi ça? Oh, c'est bon. Manolas qui donne à Rulli, Rulli qui va, voilà. Pour Cancelo, voilà, tranquillement. On repart. Allez, Florenzi, il faut passer. Ouais, ouais. Allez, oula. Toujours Florenzi, Pjanic. Pjanic qui va donner, oui, deux stores au Kiran. Pjanic, et centre, la but de Vietto. Luciano Vietto, 33 buts cette saison, la machine est là. Voilà, bon, et eh ben, à ce moment-là, on est sûr d'être champion. Quelle frappe, pouf. Ah ouais, et il a pas cherché Vietto, hein. Il a pas regardé. Par contre, là, Cagliari, on les massacre, les pauvres, ils ont toujours pas frappé. Parce qu'on voulait les gars, hein. Quand vous voulez, hein, qui... allez, hein. Les enfants. Frappez. Allez, n'ayez pas peur, hein, il faut essayer. Ils n'y arrivent pas. On chip tellement les ballons avec notre défense là de cinglés. On chip tous les ballons. Les pauvres, ils n'ont pas frappé pour l'instant de la première période. Par contre, ils font beaucoup de fautes. Bon, ben, mi-temps. 1 à 0. On fait le taf, le minimum syndical. C'est vrai que c'est pas le plus beau match que je puisse vous montrer pour l'instant. Mais bon, c'est le match du titre, il était important quand même de vous le montrer. Allez Florenzi, vas-y, tu peux y aller, vas-y. En deux fois peut-être. Oh, Vietto, non. Non, c'est... même dégagé très loin. Oh, et bien dégagé là, attention, Kramaric. Non, pas, ça va pas dessus. Biragi, allez. Allez, hein. Non. Jalic, Vietto peut-être, non. Ça revient bien. Jalic, non, ça c'est bien. Le vieux, non. Voilà, vous avez compris. Florenzi, ça va trop vite. Cancelo, attention. Oh. Cancelo,
Cancelo! Mais oui! Après FIFA! Après FIFA! Il est partout, ce Joao! Il est partout! Voilà, après avoir marqué avec Swansea, il est revenu à l'AS Rome et il a fait, bon, allez, je plante un but en vidéo, pouf! Voilà, comme ça je montre. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur défenseur droit? Bravo! Excellent! Bah sinon, Cagliari... Ah ouais, non, mais ils y sont pas, Auriel Romeu. Ah ouais, Auriel Romeu, quoi. Ah ouais, bien. Oh! Il y a le feu! Voilà, ils ont pas supporté. Ils crament le stade. Voilà. Ah là là, Biraghi. Petit ballon là, tout petit centre là, tendu. Firenze, comme Vieto, sans contrôle. Voilà, il a frappé direct, pif. Ah non, mais on les a mangés tout cru. On en fait de la pâtée pour souris. Ah, c'est chaud. Au Cagliari. Ah ouais. Ah enfin, miracle, ils ont tiré. Eh ben, il était temps, hein, les amis. Hein. Il était temps. Les pauvres. Bon, on va regarder un peu ce qui se passe chez nous. Non, pas venir, toujours pas là. Donc, c'est Gerson? Ouais, c'est Gerson. Pjanic, on va le faire sortir. J'ai pas envie qu'il se prenne un rouge. Et un petit dernier pour la route. On va se le garder en cas de blessure. Allez, il tourbait Gerson, le sang frais, pour atomiser une bonne fois pour toutes. Attention, Cagliari est là, qui est une action dangereuse. C'est pas mal, attention, il est pas... Oh, il va pouvoir peut-être sentir... Oh là, j'ai rien dit. Ah, ils ont mis une deuxième frappe. Bien joué, les gars. Ou c'était le centre qui était compté comme une frappe. Ils ont pas de bol. Fou. Ah ouais, alors là, on leur roule dessus, mais là, j'ai l'impression qu'on desserre un peu la vis, là, j'ai l'impression qu'on... On appuie sur le frein là. Ouais. Peut-être que là ils vont me faire mentir. Firenze. Il donne son ballon. Allez. Il faut accélérer. Oh, très bien donné là, Gerson. Gerson. Oh, pas mal. Magnifique. Magnifique. Une action magnifique qui se passe de commentaires. C'est. C'est du beau jeu. Super centre de Gerson. Limite hors-jeu, Vietto. Magnifique. Magnifique! Voilà pourquoi on est champion, on a une équipe de timbrés. Alors j'allais dire de tingré, oui, c'est un nouveau mot, voilà, qui va être présent bientôt dans le nouveau et prochain Petit Robert. Ou le Larousse, pour ceux qui connaissent pas le Petit Robert. Allez, les quelques dernières secondes avant de dire. On est champion. On est champion, on est champion, la 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 la. Voilà. Voilà, la fête elle était courte. Voilà, on est champion, on passe à autre chose. Non, sérieusement, normalement, c'est pas. Bah, normalement, c'est celui-là le match du titre, ou il se fout de ma gueule. Bah alors, il est où le message, les copains? Les copains, il est où le message? J'avais dit que c'était le match du titre. Me faites pas dire une bêtise, j'espère. Et les copains? Les copains? Elle m'en fait dire une bêtise, non. Nichalo. Putain, j'étais sûr de mon coup en plus. J'étais là à dire, ouais, c'est le match du titre et tout. En plus, j'avais compté les points. Salaud! Bon, c'est pas grave. Bon, on va passer le match de Spezia. Si je vois qu'il est marqué AS Rome est champion, je me dis, ah, merde. Bon, bah, j'ai pas montré le bon match. Tant pis. Bon, vous aurez vu une démonstration. Voilà, une petite déculottée avant peut-être la nôtre face à la Juve. Parce que là, je crois qu'ils ont envie de se venger, la Juve. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà pour le deuxième match de l'épisode. La suite de cette Ligue des Champions. La demi-finale aller au Juventus Stadium. Et surtout, bon bah voilà, c'est officiel. Alors, c'est écrit quelque part en bas. Je m'étais loupé sur le match. C'était pas Cagliari, mais le match contre... Bah, je vous montre le résultat, c'est Spezia, donc 3 buts à 2, et c'est contre Spezia qu'on a gagné le titre. Donc il faut que je vous cherche le petit écriteau, applaudi, blabla, voilà. Donc voilà, nouvelle victoire, le titre. Voilà, c'est ici, c'est marqué là, voilà, prenez un screen.
Donc voilà, c'est contre, je peux te dire, bon bah tant pis, c'est pas grave, je me suis loupé, hein, bon, c'est pas grave. Bon, on a remis les titulaires, parce que j'avais mis l'équipe B contre Spezia. On y va, face à la Juve, le match, allez, un match important. Parce que si on fait pas les cons, on pourrait avoir un avantage pour le match retour. Compo habituel pour les joueurs de la Juve, le fameux, ils disent 5-1-2-1-2, mais c'est plutôt un 3-5-2. Ou 3-3-2-2. Enfin, bon, moi je penche plus pour un 3-5-2. On verra bien. Bon, tout le monde a l'air d'être surmotivé comme des dingues après le titre. Eh ben, on y va. Allez. Allez, allez. Cette demi-finale, on a la pression parce que là, c'est une confrontation italienne. Oh, attention, bien roulé. Allez. Allez, allez. Il faut répondre à ce petit coup des joueurs de la Juve. Il faut absolument répondre. Vas-y, Ferrandi, allez, il faut que tu passes. Faut que tu passes. Voilà, allez, donne ton ballon au pire. Voilà, tranquille. Allez, allez, on fait tourner Rafinha. Très bon, mauvais ballon. C'est pas grave. Attention, Keita. Pouh. Attention, Sandro. Allez, allez, plus de pression là, allez. Marquez pas, hein. Voilà. Soaro, allez, allez, faut repartir. Allez, voilà. Allez, faut répondre. Alors, coup. Répondre coup par coup, c'est ce qu'on fait au nombre d'actions. Voilà, bon, ils sont à canon à 3. Voilà, on répond. C'est un match serré pour l'instant. Un match serré, tendu. Si on fait 0-0, c'est déjà un résultat plutôt correct quand même. Face à la Juve. Attention, Fiorenzi qui prend ce carton. Sinon, bah allez, Marquisio. Un partout au niveau des cartons. Et la mi-temps, 0-0. Le truc de dingue. Il s'est passé deux bricoles. Mais sinon, quel match! Mais il est serré. Ouais, ça on peut pas dire que là, c'est pas un match. Un match genre complètement fou. C'est un match très serré. Très très serré. Il faut faire gaffe. Allez. Est-ce qu'en deuxième. Ah. On va faire un zizou. Et attention à la contre-attaque de Keita. Il est parti. Oh, Vela qui rend à Keita. Attention Keita. Non. Oh là 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 là. On a eu chaud. Ah, on réagit. Bon, j'allais les engueuler pour qu'ils réagissent, mais là ils réagissent. Rafinha. Allez. Oh, c'est pas mal. Yalic. Ya oh oui, Stouraro! Stouraro! Voilà! Oh oui, il marque contre son ancien club! Oui, Stouraro! Quelle action! Yalic qui a bien vu l'appel! Porge! La petite frappe! Magnifique! Le gardien Chesney n'a rien pu faire. L'ouverture du score, oh quelle belle opération! Allez, c'est pas fini! Allez, peut-être le deuxième! Le coup du lapin! Le coup du lapin, peut-être, Biragi! Oh, il a pas sifflé! Attention à Keita qui a donné à Vela, qui est parti! Il est tout seul, Vela! Il est tout seul! Vela! Oh, derrière, attention! Oh, merde! Oh là là, l'égalisation de Sandro, mais non! Une rémoise, mesdames, messieurs, une rémoise! Voilà, par contre. Oh là. Mais il était tout seul, tout seul. Non, 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 quelle frappe surtout. Belle frappe, mais là je vais les engueuler parce qu'il était tout seul. Mais tout seul. Oh non, allez, Rafinha. Pourquoi pas? Oui, Manolas, Costas Manolas, le duo infernal, les assassins des corners, Rüdiger pour la passe et Manolas pour le coup de couteau. Voilà. Rüdiger qui donne et Manolas qui finit l'assassinat de Chesney. Et pourtant, la Juve domine sur le nombre d'actions. Mais on a le ballon. On a le ballon. Oh, quelle fin de match. Ça annonce une fin de match explosive. Attention, Keita. Non, c'est Vela, ça, pardon. Bah voilà. Voilà. Là, il me dit. Bah, hein, pardon, tu m'as appelé Keita? Tu m'as pris pour qui, là? Tiens, voilà, ça t'apprendra à m'appeler Keita. Quelle passe de Pogba pour Vela. Pff, Vela, bah. Ouais, encore une fois.
Par contre, bah voilà, par contre, le marquage, zéro, les gars. Allez, on regueule. Allez. Nom d'un chien. Et Vietto, faut travailler là. Hein. Allez, il est pas dans le match là. Ferrandi non plus. Ferrandi non plus. On va faire rentrer et tourber. Allez, la fraîcheur. De la fraîcheur pour cette fin de match. Allez. Allez, tourber, faut que t'apportes quelque chose. Pour l'instant, nous, ça nous donne un joker pour le match retour. Puisqu'on fait deux partout à l'extérieur. Au pire, on tient ce résultat. Allez, faut pas faire les cons là. Cancelo, c'est. Ouais, allez. Cancelo, bon ballon là. Allez, tourber. C'est pas mal. Pjanic, Pjanic, ouais. Oh, bien avec. Oh, Lealic, ouais. Pjanic, attention. Oui, il faut surveiller là, vos passes. Il tourbait, tu l'as pas vu. Je crois. Oh, Vietto, allez. Oui, la boulette d'Emeric Laporte. Oui, Emeric. Il a voulu lui claquer la porte. Et ben là, il a fait une boulette. Et le jaune en plus. Allez, Luciano, Luciano, monstro. Vietto! Contre-pied parfait! Prenez ça, les fumiers! Voilà! Nom d'une souris! Regarde-moi ça! Et bim! Olé! Voilà! Ça, c'est fait. Salut! Salut, bonsoir! Merci d'être passé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez. Bien sûr. Paredes. Et. Gerson. Allez. On finit le match comme ça. Ils sont un peu fatigués parce qu'ils ont joué des joueurs de l'équipe B. Mais c'est pas grave. Allez. Allez, dernière minute. On fait le 3-2 en plus. Ah, oh, le truc de fou. Oh, le truc de fou. Le truc de fou qu'on est en train de faire, les dernières secondes, peut-être là encore, peut-être un petit dernier pour la route. Attention, justement, à la contre-attaque de la Juve. Sandro, bon ballon. Oh, c'est chaud cette fin de match. Qui dira? Oh non. Le 3-2. Le résultat. Oh là là, la belle victoire. Oh la belle victoire. Elle a été chaude d'aller chercher celle-là. Je ne sais même plus parler français, moi. Quel match, quel match de dingo. Oi oi oi. Eh bah dis donc, ça promet un match retour. Du tonnerre. Ça a été un match du tonnerre. C'est. Ah ouais, ça va être un match de cinglé. Eh ben les amis, hein, on passe pas l'herbe et on se retrouve pour ce fameux match de cinglé. Et me revoilà pour le troisième et dernier match de l'épisode. Le match retour, demi-finale de Ligue des Champions face à la Juve cette fois-ci, à la maison chez nous, au Stadio Olimpico. Alors, bon, on a fait une rencontre face à Palerme assez pourrie. Ça a été chiant. Ça a été chiant. Bon, on a perdu 2-0. Bon, après, on est champion de Serie A, donc on s'en fout, hein, c'est pas important. Par contre, là, le match, il est. Celui-ci, il est vraiment important, celui-là. Il est d'une importance capitale. Ça, là, j'ai envie de le prendre, mais. Attends, mais Mitrovic peut aller devant. Donc Ponce, désolé. Ta. Voilà. Bon, ça c'est ok. Tout le monde est ok, tout le monde est d'accord, tout le monde est prêt. Hein. Allez. Le match retour. Là, on rigole pas. Là, faut pas faire les cons. On a une petite avance. Il faut absolument soit la garder, soit l'accentuer. Et faire un match de dingue quoi. Allez! C'est parti! Attention, Pjanic, il faut donner. Bien, ouais. Firenze qui donne, Pjanic qui donne. Allez, peut-être déjà une action. Non. Ça a commencé plutôt bien, mais non. Pas, c'est rien, c'est pas. Allez, soit on l'accentue, soit alors on joue à l'apothicaire. Et on. Ouais, ou si vous préférez, une autre expression, on joue petit bras là. Soit on joue petit bras, soit alors on joue à fond. On va voir. Pour l'instant, on maintient vraiment bien le ballon. Allez, faut continuer comme ça. Il n'y a pas beaucoup de tirs par contre dans cette première mi-temps. Et aucun cadré, et c'est officiel. Voilà, première mi-temps. Si vous avez bien vu les stats, je vous le remontre après avoir bien motivé tout le monde. On va aller voir les consignes, voilà. Et donc, vue d'ensemble, c'est les stats. Stats, c'est ici.
Donc dans les stats, alors par contre, ouais, nous, eux, je sais pas pourquoi ils insistent à faire jouer Paul Pogba, le pauvre, il doit être cramé qu'il n'en peut plus. Non, c'était pas là, les stats du match, hein, voilà. Aucun tir cadré. Allez, on est parti. Oula, pardon. C'est le deuxième mi-temps. Il va falloir essayer de cadrer. Allez. Attention, Sandro. Oui, mais non, 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 non. Faut pas faire les congédies, attention. Et voilà, Vela. La grosse frappe de Vela. Voilà, on se laisse déconcentrer totalement. Et Carlos Vela en profite. Sur super passe de Renato Sanchez. Voilà, contrôle frappe du gauche, magnifique. Rien à dire. Allez, on réagit les gars. Au boulot. Bon, je... Ah putain. Tiens, Vietto, secoue-toi les puces. Allez. Et Fiorenzi touché, mais il peut tenir. Oh, attention. Ah oui! Voilà! Voilà Vietto! On lui secoue les puces. Il obéit tout de suite. Il exécute. Super. Et encore une fois, regardez bien qui est le passeur de la tête. Rudiger. Pff, tout seul. Oh là 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 là. C'était la voie royale. Magnifique, poteau. Magnifique. Allez, on attend un peu parce qu'il a 67%. Ça peut encore tenir un petit peu. 5 minutes. Allez. Parce que là, Firenze fait un match mémorable, de légende. Un match de légende. Allez. Faut faire sortir nos deux latéraux. Enfin, nos deux latéraux. Nos deux ailiers. Pavone et Salah prennent le relais. Et je vois que Chtouraro est KO. On va faire rentrer Paredes. Voilà, oui. Allez. On finit le match. Allez, les gars. Allez, on finit le match. On finit le match. Voilà, avec du caractère. On finit cette rencontre à un partout. Allez. Allez, allez. Bon, malheureusement, on aura dû jouer petit bras. Attention. Il reste 1 minute. Top. 1 minute. Attention, Vela. Oh, faut faire gaffe, Sanchez. Oh, le bon ballon. Attention, pas mal. Oui! Oui, Pavone, allez! Faut garder ce ballon. Mais non! Fallait le garder, punaise. Oui! Voilà! Vietto! Mais non! Arrêtez de perdre ce ballon, nom d'un chien. Attention, Vela, il est parti. Vela, non! Pff. Oh là là! Allez! Encore quelques secondes. Et la finale s'offre à nous une nouvelle fois. Allez! Allez, ça a été chaud. Oui! On est en finale! On est en finale de Ligue des Champions. Eh ben non, d'une pipe, là, sérieusement, bon, là, on mérite de passer, mais c'était pas loin de la catastrophe, hein. Attention, c'était pas loin. On a joué petit bras en faisant le match nul dans ce match retour. Et notre adversaire sera en finale, est-ce qu'on peut le savoir? Oui, ça sera Arsenal. La revanche! La revanche, Arsène! La revanche, Arsène! À l'Olympia. Non! Oh là, hé! Apprends à lire! Et en plus, c'est pour la Ligue Europa, ça. La finale de la Ligue des Champions qui se jouera où? Elle se jouera où, cette finale? Elle se jouera où? Voilà, au Millennium Stadium! Oh là là, on va aller dans un stade incroyable. Au Millennium Stadium. Alors là, ça rigole pas. Ah ouais, là, on rigole pas. Au Millennium Stadium. Pour y affronter quel adversaire? Quel adversaire? Je ne sais point. Bah oui, non, mais non, arrête de dire je ne sais point. On le sait. Voilà. Bah, comment ça, c'est inconnu? Bah alors, on m'aurait trompé sur la marchandise? Je veux ma finale. Voleur. Arnaque. Arnaque. Oh là là. Non, allez. Sérieusement, on va passer peut-être un jour ou deux. On va savoir notre adversaire. C'est pas Arsenal, normalement. Bah normalement si. Ça devrait être Arsenal là. Ça devrait être eux. Enfin, je pense. On va le voir. Bon alors, on connaît notre adversaire là. Notre finale donc. Ah voilà, c'est bien Arsenal. Merci. Bon. Voilà. Allez, programme du prochain épisode, les amis. Que demander de plus? La fin de la Serie A. La finale de la Juve. Enfin, face à la Juve en Coupe d'Italie. Et la Ligue des Champions face à Arsenal. La revanche. La revanche, Arsène. Attention, là, ça va pas envoyer que du petit bois.
Ah ouais, là, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. On va pas mettre les petits crampons pour les bébés. On va mettre les bons gros crampons bien pointus. Je rigole, je rigole. Là, ça va être un programme de dingue. Bon, bah, nous, on passera que ces deux petits matchs. Et on se retrouve donc pour Fiorentina Juve Arsenal. D'ici là, les amis, portez-vous bien. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un petit abonnement. Un pouce bleu. Twitter, Instant Gaming. Et tout est dans la description. Un petit tour sur la Vendetta. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut à tous!